Hey les amis, c'est JojoJuju9, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve non pas pour un crack mais bien pour un hack. Un hack sur le fameux jeu de serpent très populaire en ce moment. Il s'agit de Slither.io. Donc c'est un hack qui va vous permettre de pouvoir changer l'arrière-plan du jeu, d'avoir des nouveaux skins, de pouvoir jouer avec vos amis, d'avoir un zoom hack, etc. Avec plein d'autres fonctionnalités. Donc je vous laisse le découvrir tout de suite in-game. Donc voilà, vous avez pu voir à quoi pouvait ressembler ce petit hack sur Slither.io et je vais maintenant vous montrer comment l'installer. Donc pour ce faire, très simple, il faut vous rendre sur votre navigateur internet, donc pour moi Google Chrome, puis vous allez sur ce lien, lien que je mettrai bien sûr en description. Vous tomberez sur une page Adfly et vous patientez les 5 secondes en haut à droite. Puis vous cliquez sur « Passer l'annonce ». Vous serez alors redirigé sur le site slither.io.org qui font des petites astuces pour Slither.io. Donc ici, vous descendez. Là, vous avez tout ce qui est le descriptif de ce que fait le hack. Voilà. Vous descendez encore. Et ici, c'est pour l'installer. Donc pour l'installer, vous regardez le navigateur où vous êtes. Donc si vous êtes sur Firefox, vous installez cette extension. Sur Google Chrome, celle-ci. Et sur Opera, celle-ci ou celle-ci. Bon, moi, vu que je suis sur Google Chrome, je vais installer Tamper Monkey. Donc est-ce qu'on va faire ça ? On va faire ça tout de suite. Voilà, là on clique juste sur ajouter à Chrome, on attend que l'extension s'installe. Puis une fois que c'est marqué ajouter à Chrome, on ferme les deux onglets qui viennent d'apparaître et on retourne sur ce site. Ici maintenant, il vous faut installer le script. Donc vous avez juste à cliquer sur le gros bouton vert, voilà, et vous cliquez juste sur installer. Et une fois que c'est fait, vous fermez tout et vous démarrez Slither.io. Et normalement, si tout va bien, le hack devrait fonctionner. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a le hack qui est apparu. Donc ici, vous pouvez changer le background, vous pouvez changer un peu tout. Donc par exemple, moi, je vais mettre de la terre. Voilà, là c'est pour jouer avec vos amis. Et puis je vais mettre un clan tag NBK, et puis c'est parti. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le hack fonctionne très bien, hein, puisque le background a bien changé. C'est bien marqué NBK JojoJuju9, donc ça c'est bien ce que j'ai mis. Puis vous avez bien le zoom hack qui fonctionne, puisque avec la molette de la souris, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle tape, n'hésite pas à la liker, à la partager et à la commenter. N'hésite pas non plus à me dire dans les commentaires si tu veux que je te fasse d'autres hacks ou cracks pour des jeux ou logiciels. J'essaierai de faire ça au plus vite. Et sur ce, les amis, moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. We'll be right back.